Ce journal vous est offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureux de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les sommaires. La République démocratique du Congo aura bel et bien des élections telles que prévues dans le calendrier électoral. Confirmation de Denis Kadima lors de son passage sur le plateau de TV5 Monde. La sénatrice Francine Muyumba, membre enfiliante du FCC à l'heure d'une matinée politique, réaffirmait la position de sa famille politique sur la non-participation aux prochaines élections. Et enfin, la planète Terre commémore ce 17 octobre la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté qui vise à donner la parole aux personnes concernées par la pauvreté et qui vivent dans des conditions indignes. Rebonsoir si vous nous rejoignez. Le naufrage d'une embarcation appelée baleinière le week-end dernier sur le fleuve Congo a fait plus ou moins 47 morts et un nombre indéterminé de disparus, a déclaré le ministre des Transports Marc Ekila lors d'un briefing de presse co-animé avec son homologue de la communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Je vous propose de suivre le ministre des Transports Marc Ekila. Et je profite également de cette occasion pour réitérer les condoléances que j'avais présentées par d'autres canaux. Et donc, au moment où nous parlons, j'ai eu de derniers échanges avec le commissaire fluvial sur place. Et jusqu'aux alentours de 14 heures, on était à 47 corps repêchés et plusieurs disparus. Et malheureusement, comme l'embarcation était en situation d'irrégularité, on n'a pas pu avoir le manifeste pour déterminer exactement le nombre de passagers qui étaient à bord. Mais cela est dû naturellement, comme vous le savez, vous l'imaginez déjà, c'est à la surcharge. Et la surcharge en est une cause. Et aussi, dans notre pays, la réglementation, notamment plusieurs arrêtés qui existent, interdisent aux embarcations en bois, n'est-ce pas, de quitter le quai, de naviguer la nuit, de quitter le quai la nuit. C'est la cause qui est cela. Mais rapidement, nous avons travaillé sur la question. Nous avons contacté les autorités provincial sur place pour leur demander de mettre en place une commission d'enquête qui s'est réunie déjà. Et la commission d'enquête, comme le gouverneur est en séjour dans la ville de Kinshasa, la commission d'enquête est conduite par le vice-gouverneur qui est sur place. Il y a le représentant de l'ANR, il y a le représentant de la DGM, il y a le commissaire fluvial. J'avais souhaité qu'il y ait le représentant de la police sur place et également le procureur de la République pour l'ouverture, pour amener les enquêtes, mais aussi j'ai travaillé avec ma collègue de la justice, la Mineta à la justice. Nous avons échangé, nous avons convenu qu'il soit ouvert sur place une information judiciaire qui doit conduire à un procès en flagrance. Je dois suivre ça pour établir la responsabilité, surtout l'armateur et les gérants et les conducteurs. Donc, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a accordé lundi 16 octobre dans son cabinet de travail une audience à l'ambassadeur brésilien accrédité en République démocratique du Congo. Les volets sécuritaires et de la défense avaient fait l'objet de leur rencontre. Yves Maïlé. Leur relation a un impact visible sur le volet défense et sécurité avec la République démocratique du Congo était au centre de discussion le lundi 16 octobre entre le vice-premier ministre, ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Brésil en RDC, Roberto Parente. Les deux personnalités ont évoqué les possibilités pour une relation bilatérale à succès entre Brasilia et Kinshasa. Bien évidemment, les volets sécuritaires et de la défense seraient prépondérants. On parlait surtout de les relations entre la RDC et le Brésil. Il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets qu'on peut coopérer dans le domaine de la défense, bien sûr, mais de l'aviation, c'est autre domaine important. Et le Brésil est ouvert pour la coopération, pour la collaboration avec la RDC. Je pense que on a parlé de manière générale de toutes les possibilités et des potentiels qu'on a pour développer les relations entre le Brésil et la RDC. Oui, on peut collaborer, mais
On n'a pas parlé des détails de ce type de collaboration. C'est quelque chose que on doit penser. Ça dépend un peu de travailler pour développer ce type de collaboration. C'est pas quelque chose qu'on peut faire dans la semaine prochaine. C'est quelque chose pour les longs temps. Mais oui, on a parlé. Comme je dis, notre potentiel est immense. On a beaucoup de choses à faire. Sachez que le pays des Félix Tshisekedi et celui des Lula conserve les bonnes relations diplomatiques depuis la nuit des temps. Les élections auront lieu le 20 décembre 2023, tel que prévu dans les calendriers électoraux, car c'est le gouvernement qui le finance. Tels sont les propos de Denis Kadima, président de la CENI, lors de son passage à TV5 Monde. On l'écoute. Quand les gens évoquent un report, c'est simplement parce que c'est un des scénarios possibles dans tout projet. Dans le projet électoral, vous pouvez envisager un report. Mais moi, je peux vous dire que nous sommes en voie vers la tenue des élections telles que prévues dans le calendrier. Et d'abord, il faut dire que c'est le gouvernement qui nous finance à 100%. Et depuis tout ce que nous faisons, c'est financé par le gouvernement. Bon, je ne peux pas vous donner le chiffre, mais je peux vous dire que le budget lui-même est de 1,1 milliard de dollars. Et que nous recevons l'argent, c'est pour ça que nous avons pu faire l'inscription. L'argent vient progressivement selon les moyens de l'État. Nous n'allons pas lui demander ce qu'il n'a pas. Donc, mais sinon, les choses évoluent bien. Les ressources viennent et nous sommes certains que d'ici là, nous ne serons plus dans le besoin. Ma candidature a été rejetée par ces deux confessions religieuses parce qu'ils avaient leur propre candidat. Nous avons un système de sélection du président qui est assez bizarre, où c'est lui qui est à la table pour choisir la personne qui va présider la CENI à son propre candidat. Et vous ne pouvez pas vous imaginer qu'une telle personne va aller là-bas avec toute l'objectivité voulue. Donc c'est ça le problème qui s'était posé. Restons dans le même chapitre des élections de décembre prochain, mais cette fois-ci sur les rumeurs qui courent sur sa non-tenue. Qu'est-ce qui se passera-t-il au cas où il y aurait report? Que prévoit la Constitution? Enoch Sikissi, juriste, analyste politique et membre du Congo Uni, partout cher à Maître Kazi, a dans un duplex lui accordé par notre rédaction répondu à ses questions. On l'écoute. Et étant donné que notre parti a intégré l'Union sacrée de la nation, il est d'autant plus important de souligner que la confirmation du président de la République à l'Assemblée générale des Nations unies à New York était une déclaration officielle de l'intention du gouvernement de respecter le calendrier électoral prévu. Cette assurance renforce la confiance dans les processus démocratiques en cours. Et deuxièmement, le président de la Commission électorale nationale indépendante a une responsabilité clé dans l'organisation des élections. À ce sujet, sa confirmation publique de la tenue effective des élections apaise les inquiétudes concernant d'éventuels retards ou obstacles au processus électoral. Quant à la question de savoir qu'est-ce que prévoit la Constitution en cas de report des élections, déjà premièrement, je tiens à dire que nous ne pensons pas que nous allons arriver à cette éventualité. Mais par contre, si nous en arrivons là, l'article 70 de la Constitution est d'une importance capitale. Il garantit que le président en fonction ne peut pas prolonger son mandat au-delà de la période prévue, mais il doit rester en poste jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Cette disposition constitutionnelle assure la continuité et la stabilité du gouvernement. En fin de compte, la parole du président et le respect de la Constitution sont des éléments essentiels pour maintenir la confiance dans les processus électoraux. Les rumeurs et les spéculations peuvent semer les doutes, mais ces déclarations officielles devraient être prises comme un engagement sérieux envers la démocratie et la volonté du peuple. Prenons cette information en bref. La Commission électorale nationale indépendante CENI informe l'opinion qu'elle reçoit plusieurs appels des candidats à la députation nationale dont la liste définitive a été rendue publique par la décision numéro 106/CENI/AP/2023 du 22 septembre 2023 de l'Assemblée plénière de la CENI. À cet effet, elle invite tous les candidats retenus sur la liste définitive, y compris ceux dont les arrêts ont été rendus par la Cour constitutionnelle, à consulter son site internet. La CENI rappelle aux candidats indépendants, aux partis et regroupements politiques que le numéro repris sur la liste définitive sera évoqué au regard de leurs noms respectifs sont définitifs.
Je l'ai annoncé également au sommaire lors de la matinée politique des élus et cadres du Front commun pour les Congo FCC, Grand Katanga à Lubumbashi, la sénatrice Francine Muyumba a réaffirmé la position de sa famille politique, le FCC, qui n'ira pas aux élections, car selon elle, la CNI doit organiser les élections pour toutes les parties prenantes au processus électoral. On l'écoute dans cet extrait choisi par Ginette Fika. Joseph Kabila, viva! Viva! Joseph Kabila, viva! 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 D'engagement, des sacrifices personnels, des sacrifices politiques, surtout. Parce que nous étions avec nombreux aujourd'hui qui ne sont plus avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que nous sommes du très bon côté de l'histoire. Nous sommes du très bon côté de l'histoire parce que nous avons un leader. Un leader qui est un leader avec L majuscule. Nous les élus du Haut-Katanga, nous les élus du Grand Katanga et tous les cadres du FCC Grand Katanga et Haut-Katanga, nous ne devons pas croiser les bras. Nous ne devons pas croiser les bras, il faut montrer que nous existons. Et le Katanga n'est pas abandonné. Et montrer que nous avons complètement disparu. Je vous dis qu'en face de nous, il n'y a rien. En face de nous, c'est vide. Et il ne faut pas avoir peur. Nous avons refusé d'aller aux élections parce que nous ne pouvons pas aller aux élections avec un consensus zéro. À force de rechercher le consensus en 2016, le président Joseph Kabila, à force de réussir, il y a eu le dialogue de l'Union africaine, ensuite le dialogue de la CENCO. Aujourd'hui, à la tête du pays, il y a l'ancienne opposition. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que voilà, on va rejeter toutes les revendications concernant la CENI et on nous oblige d'aller aux élections avec une CENI qui appartient à un camp politique. La CENI n'organise pas les élections pour un camp politique, mais la CENI doit organiser les élections pour toutes les parties prenantes. La vie reprend à Kichanga dans la province des Masisi, au Nord Kivu. Débarrassés de M23, les rebelles ont été chassés de cette ville par le Wazalendo, une milice présentée comme proche du gouvernement congolais. Reportage de nos confrères d'Africa News. La vie reprend à Kichanga dans la province de Masisi, au Nord Kivu. Débarrassés des M23, les rebelles ont été chassés de cette ville par le Wazalendo, une milice présentée comme proche du gouvernement congolais. Rompant ainsi une trêve observée depuis 2 mois. En ce moment, nous remercions Dieu parce que nous pouvons encore voir la lumière du jour et nous assistons aussi à l'arrivée du gouvernement, ce qui est un bon signe et que l'atmosphère s'améliore. Nous demandons au gouvernement de chasser l'ennemi jusqu'à ce qu'il reparte au Rwanda. Nous pourrons alors nous sentir en sécurité. Nous vivions très bien avec toutes les communautés ethniques. Mais cette guerre du pays voisin a créé des discriminations en notre sein et nous a divisés. Miliciens et soldats gouvernementaux patrouillaient dans la ville reprise à l'ennemi. Ceux qui ont participé aux affrontements disent s'être engagés pour la libération du pays. Nous nous battons depuis 1 an et demi et nous n'avons pas reçu un centime du gouvernement. Nous nous battons pour libérer le pays. Je vais me battre sans peur parce que c'est un travail. J'ai abandonné mes enfants. J'ai aussi abandonné une grande famille pour me battre et je vais défendre mon pays jusqu'au bout. Le but de la milice proche de Kinshasa est de pousser le M23 hors des frontières congolaises. Il n'y a donc aucune volonté expansionniste de la part de ses supérieurs. Nous savons que l'ennemi est toujours sur notre sol et nous allons le poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières parce que nous connaissons les limites du Rwanda et celles du Congo. Nous n'allons pas envahir leur pays. Lorsque l'ennemi quittera notre sol, nous reviendrons en arrière et nous cesserons le feu. Les affrontements se sont poursuivis à la périphérie de Kichanga ces derniers jours.
Attaque d'un convoi à Rutshuru, l'IRF a affirmé dans un communiqué que c'était son convoi et a dénoncé cet acte barbare par les hommes armés inconnus. Jeanette Fika nous en fait la lecture. Le lundi 16 octobre 2023, un convoi du contingent ougandais déployé dans l'est de la République démocratique du Congo dans les cadres de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, alors qu'il était en route de Kiwanja à Bunagana pour s'y ravitailler, a rencontré une embuscade tendue par un groupe armé inconnu à Rukoro, région des Bourrées. Le long de la route Rutshuru-Bunagana, territoire de Rutshuru, les troupes s'y sont battues et ont atteint leur destination avec succès. Des enquêtes ont été ouvertes visant à établir le groupe armé derrière cet acte odieux des provocations et les mobiles qui les sous-tend. L'EACRF reste engagé dans la protection de civils conformément à son mandat, tout en faisant preuve de professionnalisme, a les droits d'imposer une protection guidée par les règles d'engagement si les troupes de l'EACRF sont menacées dans l'exercice de leurs fonctions dans la zone d'opération conjointe au Nord Kivu. Revenons à Kinshasa, le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a présidé lundi 16 octobre dernier la réunion d'une mise en place d'un cadre institutionnel et légal solide, complet et actualisé est l'un des défis auxquels la réforme de la police nationale congolaise est confrontée depuis plus d'une décennie. Yves Maïli. Dans le but de stimuler la dynamique de la réforme de la police nationale congolaise sous la direction du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi, une réunion était organisée le lundi 16 octobre pour permettre de mettre en lumière les textes d'application en attente des signatures et de présenter les principales avancées et le défi majeur du cadre juridique de la réforme de la PNC. Le secrétaire exécutif du comité de suivi de la réforme de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Rémy Kanga, a souligné que la réforme de la police nationale congolaise rencontre de difficultés principalement en raison d'un ensemble de textes législatifs et réglementaires en attente d'approbation. Parmi les textes, environ 20 sont en attente de validation au niveau du ministère de l'Intérieur, comprenant notamment un projet de loi organique, un projet de loi ordinaire, 12 projets de décret et 6 projets d'organiser un atelier de représentation de l'état de la mise en œuvre du cadre légal de la réforme de la police nationale congolaise sur l'ensemble du test soumis. Les CSRP a évalué que 39,4% ont été déjà signés, tandis que 60,6% ne sont pas encore signés. Cette réunion a connu la participation de toutes les parties prenantes, y compris les autorités policières, le représentant des organismes internationaux et le partenaire du ministère de l'Intérieur. Autre chose, la Journée internationale des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté est célébrée le 17 octobre de chaque année dans le but de promouvoir la compréhension et les dialogues entre les personnes vivant dans la pauvreté et la société dans son ensemble. Je vous propose de suivre l'historique de cette journée dans ces commentaires de Patricia Bomolo. La célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté remonte au 14 octobre 1987. Ce jour-là, une centaine de milliers de personnes se sont rassemblées au palais du Trocadéro à Paris, où l'Assemblée générale des Nations unies adopta en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce rassemblement était destiné à rendre hommage aux victimes de l'extrême pauvreté, de la violence et de la faim. Des militants de tous les pays ont ainsi réaffirmé que la pauvreté était une violation des droits de l'homme et qu'une action commune devait être menée pour faire en sorte que ces droits soient respectés. L'UNESCO est convaincu que la lutte durable contre la pauvreté passe par le renforcement des capacités des individus par l'éducation, les sciences, le soutien à l'économie créative, qui sont autant des gisements d'emploi que des leviers de fierté et de dignité, et met ainsi toute son expertise au service du programme de développement durable à l'horizon 2030. Notons que la pauvreté engendre un quotidien des privations, de faim et de souffrance, mais elle empêche aussi de bénéficier des droits et des libertés fondamentales dont chaque être humain
devrait pouvoir jouir sans entrave. Et en dehors de nos frontières, la mission de l'ONU au Mali a annoncé avoir commencé lundi à se retirer de deux de ses camps dans la région des Kidal, entamant une nouvelle phase de son retrait forcé qui fait craindre une intensification des combats dans les nord. Suivez. La mission de l'ONU au Mali a commencé à se retirer de deux de ses camps situés dans la région de Kidal, au nord-est du pays. C'est une nouvelle phase de son retrait qui intervient cependant avec un mois d'avance. En effet, le départ de ces deux camps était prévu pour la mi-novembre. Normalement, d'ici le 31 décembre 2023, la MINUSMA doit avoir complètement quitté le Mali. Les autorités à Bamako ont d'ailleurs confirmé lundi vouloir le départ des casques bleus d'ici la fin de l'année. Mais ce calendrier de retrait inquiète l'ONU qui a fait part samedi de ses doutes compte tenu de la situation sécuritaire du pays, mais pas seulement. Selon l'organisation internationale, ses équipes sur place seraient confrontées à des difficultés causées par le gouvernement malien, comme par exemple le blocage de ses convois logistiques ou encore la non-délivrance d'autorisation de vol pour ses appareils. Par ailleurs, le retrait des casques bleus se fait dans un contexte sécuritaire tendu. Le départ de la MINUSMA a en effet exacerbé les rivalités entre groupes rebelles et séparatistes pour le contrôle du territoire. La MINUSMA est présente au Mali depuis 2013 suite à l'avancée des djihadistes, mais après le coup d'État en 2020, les autorités maliennes ont demandé le départ des casques bleus. La RDC aura bel et bien des élections telles que prévues dans les calendriers électoraux et confirmation des Denis Kadima lors de son passage à TV5 Monde. Quand les gens évoquent un report, c'est simplement parce que c'est un des scénarios possibles dans tout projet. Dans le projet électoral, vous pouvez envisager un report. Mais moi, je peux vous dire que nous sommes en voie vers la tenue des élections telles que prévues dans le calendrier. Et d'abord, il faut dire que c'est le gouvernement qui nous finance à 100% et depuis tout ce que nous faisons, c'est financé par le gouvernement. Bon, je ne peux pas vous donner le chiffre, mais je peux vous dire que le budget lui-même est de 1,1 milliard de dollars. Et que nous recevons l'argent, c'est pour ça que nous avons pu faire l'inscription. L'argent vient progressivement selon les moyens de l'État. Nous n'allons pas lui demander ce qu'il n'a pas. Donc, mais sinon, les choses évoluent bien. Les ressources viennent et nous sommes certains que d'ici là, nous ne serons plus dans le besoin. Ma candidature a été rejetée par ces deux confessions religieuses parce qu'ils avaient leur propre candidat. Nous avons un système de sélection du président qui est assez bizarre, où c'est lui qui est à la table pour choisir la personne qui va présider la CENI à son propre candidat. Et vous ne pouvez pas vous imaginer qu'une telle personne va aller là-bas avec toute l'objectivité voulue. Donc c'est ça le problème qui s'était posé. On en est au rappel des principaux titres. La République démocratique du Congo aura bel et bien des élections telles que prévues dans les calendriers électoraux. Confirmation de Denis Kadima lors de son passage sur le plateau des TV5 Monde. La sénatrice Francine Muyumba, membre enfiliante du FCC à l'heure d'une matinée politique, réaffirmait la position de sa famille politique sur la non-participation aux prochaines élections. Et enfin, la planète Terre commémore ce 17 octobre la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté qui vise à donner la parole aux personnes concernées par la pauvreté et qui vivent dans des conditions indignes. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne suite de programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.